C'est un effet levier très intéressant qui va nous permettre d'enclencher immédiatement une phase opérationnelle de travaux d'économie d'énergie. Notre projet, c'est d'économiser l'énergie. Donc, nous avons identifié, quand nous avons établi notre plan climat, énergie, territorial, des leviers d'action très importants qui concernent l'éclairage public, qui concernent le patrimoine communautaire, qui concernent l'habitat et qui concernent le patrimoine des communes. Donc, nous allons immédiatement, dès la signature, dès la semaine prochaine, engager des travaux qui visent à récupérer la chaleur sur nos piscines communautaires, qui est un gisement d'énergie. Nos piscines consomment l'équivalent de deux fois ce qui est consommé par l'éclairage public. C'est un gisement d'économie d'énergie. La deuxième, nous lançons une plateforme de rénovation de l'habitat et nous mettons en aide un système d'aide aux particuliers pour rénover vers la classe B les habitats et mettre des productions d'énergie renouvelable. La troisième, nous avons mis un système de... Nous avons mis une aide incitatrice aux communes qui composent notre communauté d'agglomération sur le patrimoine communal qui est très vieillissant, souvent issu du 19e siècle, qui a bien besoin d'être rénové. Et enfin, la quatrième concerne la rénovation du parc de l'éclairage public avec une étude sur la maîtrise d'usage et qui concerne à où éclairer, quand éclairer et comment éclairer.